Bonjour, c'est Gadi, bienvenue sur Gadi Gaming pour l'épisode 3 du Let's Play de Des Schtroumpfs, Mission Malfeuille, et je suis encore tout seul puisque c'est un Let's Play solo, donc c'est normal. Et désormais, on était rendu en fait, au chapitre 2, qui en fait n'était pas terminé puisque nous cherchions le Schtroumpf bricoleur, et j'espère que le Schtroumpf bricoleur va nous aider en fait à grader nos armes, puisqu'en fait, on a eu l'info que il fallait ramasser des cadeaux, alors des cadeaux, des parchemins, ça dépend des niveaux en fait, qui nous permettront d'upgrader nos armes. Alors évidemment, on le voit dans le menu qui est ici. Je vous le dis déjà. Alors, évidemment, je ne vais pas trop spoiler le reste. Je sais pas s'il y a du spoil en même temps. Mais je vois qu'il y a des améliorations en haut, là. Si vous regardez ici, là. Voilà. J'ai rien. Ah, si, j'ai quelque chose. Couleur du spray. C'est quoi? C'est amélioration non fabriquée. C'est une couleur de spray. C'est super intéressant de changer de couleur de spray. C'est une sacrée amélioration. Bon, bref. Après, on peut aussi voyager. Voilà. On a aussi le village. Ah oui, d'accord, ok. En plus, on peut soigner entre guillemets. On peut décontaminer, on va dire, les zones. En l'occurrence, j'ai décontaminé que 70% de l'entrée du village. Donc voilà, écoutez, moi c'est plutôt clair. Je sais pas où on pourra voyager, je sais pas trop comment ça se passe. Alors, c'est clair en même temps. On peut aller au barrage. Alors le barrage, c'est un niveau qu'on a déjà fait, bien évidemment. On peut retourner au village. À dos de Sigung, c'est quand même intéressant. Et puis le chemin vers la clairière, c'est là où je suis. Et c'est là en fait où je vais poursuivre, puisque du coup il y avait une grotte devant nous, juste ici, lors de la dernière vidéo. Et c'est là justement qu'on va aller. Alors je vous rappelle juste avant quand même, avant qu'on y aille, que déjà les caisses que vous voyez là qui brillent, là, ça c'est de la vie. Alors je sais pas la quantité qu'il y a, mais c'est juste indécent, sachant que chaque caisse me rapporte un cœur, et que je perds un demi-cœur par coup pris. Donc jusque là je suis jamais descendu en dessous de cœur qui me restait, donc au final, j'ai l'impression que le jeu est un petit peu facile, on va dire, pour moi. Je pense que d'ailleurs pour beaucoup de personnes, je pense que le jeu en fait c'est des niveaux de difficulté, mais ça dépend un petit peu de votre âge et si vous êtes vraiment jeune ou pas, on va dire. Et quand je dis vraiment jeune, je parle pas de 12 ans, hein, je parle de 5 ans. Voilà. Donc il y en a partout, comme vous voyez. Donc voilà. Bon, après vous irez voir justement les vidéos précédentes pour savoir de quoi je parle, parce que sinon ça va pas être forcément clair. Et donc du coup, oui, juste avant qu'on y aille, j'ai sauvé un schtroumpf. Un schtroumpf qui n'a pas de nom, enfin qui n'est pas particulier, c'est pas un schtroumpf farceur, c'est pas un schtroumpf grognon, c'est un schtroumpf, voilà, il s'appelle juste schtroumpf. Et en l'occurrence, on l'a sauvé, donc lui il devrait rentrer au village, mais je suis toujours à la recherche, encore une fois, du schtroumpf bricoleur. Donc je vais prendre la porte, la clairière, voilà, qui va nous emmener vers de nouvelles aventures. Alors, toujours regarder derrière, c'est pas quelque chose qui apparaît, mais rends-toi jusqu'au pont suspendu, ok. Parce que je méfie qu'il y a des cadeaux, des fois ils mettent des cadeaux, enfin des cadeaux, des... Bref, des bonus, voilà. Réunion de famille, retrouve le schtroumpf bricoleur, rends-toi jusqu'au pont suspendu, d'accord, réunion de famille... Eh bien, on va y aller. Allô, voilà. Les amis, vous me schtroumpfez? Petit point de sauvegarde pour info, je vous rappelle. Ça, c'est pas de sauvegarde. Tu appelles parce que tu t'es cassé la schtroumpf? Pas du tout. Quelle mauvaise langue. Je le dirai au grand schtroumpf. J'appelle pour schtroumpfer que j'ai sauvé l'un des nôtres. Vous pouvez être fiers de moi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le schtroumpf bricoleur a été schtroumpfé par une maltrape. Mince alors. Il faut que tu le sauves avant que Gargamel ne le trouve. Ne vous inquiétez pas, je pars de suite à sa recherche. Et dites au grand Schtroumpf que je trouve bien ma mission, n'est-ce pas? Oui, oui, on lui dira. Je vais leur faire ce que j'étais en train de faire, parce que du coup, j'ai laissé passer le... D'accord, alors là, du coup, celui-là, il s'annule très très rapidement. Alors, ce qu'on va peut-être faire, on va peut-être faire un truc comme ça. Ah, je me réhabitue, je suis désolé, je suis pas super bon. Par contre, ce qui m'épate, c'est que... Alors, attendez, comment on va faire ça? Alors, comme ça? Comme ça. J'étais pas loin, hein. J'étais pas loin, mais en fait c'est comme ça qu'il faut faire. Mais c'est là, c'est super tendu, là. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Ce qu'on va essayer de faire, c'est ça. Je suis trop loin. Si, c'est bon, ça a marché. Ah, j'aurais dû le faire. Parce que je me retourne et je saute en fait. On va laisser. Voilà. Là, je l'ai eu là, non? Ça a pas marché là? Bon, et une dernière fois, puis. Alors, je sais pas à quoi ça sert de faire ça, honnêtement, j'en sais rien de ce que je fais. Peut-être pour avoir plus d'upgrades, mais bon, c'est pour avoir de la peinture sur mon arme. Là, je l'ai pas eu, en fait, il y a quelque chose qui fait plus rapide que ça encore. Bon, c'est pas grave, on fera ça un autre jour, parce que sinon, on n'est pas rendu. Ça joue à un micro-poil de cul. Les ennemis, mais ça, c'est pas grave, c'est rien du tout. Voilà, il y a des parchemins qui sont là. Donc là, il y en a un sur 7, voilà, bon, je pourrais tous les avoir, mais... plus de cadeaux, encore une fois. Je veux dire aussi plus d'améliorations a priori, donc cadeau, parchemin, enfin bref. Je sais pas comment ça s'appelle ces bonus. Enfin, on a largement le temps, vous avez vu là le 1 sur 7 de chronométrie. J'aurais pu faire gentiment le tour hein, si je voulais avoir
Le temps que ça laisse, à mon avis, les 7 ils devaient être, en fait, ils devaient être super espacés. Alors, on trouve un deuxième ici. Oula, là, il y a du monde. Regardez. Là, il y a beaucoup de monde même. Oula, ils sont très 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 nombreux là. Alors, on va les laisser tirer. On va éviter. Voilà. Ce qui compte, c'est que déjà ceux-là. D'armes, en fait. C'est vrai que j'aimerais avoir un upgrade sur mon arme pour qu'elle dure plus longtemps parce que là c'est quand même de la merde. Voilà. Au final j'ai pas perdu de vie. J'ai dû en prendre en fait. Non, je sais pas. Bon bref. Là j'ai encore le truc qui est en cours mais Et là par contre tu me casses les. Hein. Voilà. J'aurai le temps de les faire les 7 probablement mais je vais pas les faire. Je vais juste décontaminer, faire le tour en fait une fois pour voir ce qu'il y a. Voilà. Ça c'est fait. Ouais, j'aurais carrément le temps, vu le temps que c'est... Enfin, ça prend une minute, donc en fait... j'ai pas l'air activé, vous inquiétez pas. D'accord, ok, bah... Moi, j'ai une jolie surprise là-haut, donc je vais y aller, bien sûr. Bon, voilà, j'ai l'impression que le jeu était un petit peu prolongé, en fait, en faisant des trucs comme ça. Là, je vois qu'il y a une bestiole, en plus, cachée. Ça, c'était fait exprès, ça. Par contre, comment choper la deuxième qui est en haut, là? Celle-là. Ça, c'est juste pour nous faire baver, ça. Bon bref, c'est pas le sujet non plus, parce que on s'en pas rendu. Je décontamine puisque je suis là. Et je vois en bas, il y a des champignons. Alors je sais pas si... Ouais, non c'est juste pour faire ça. Aucun intérêt, ok. Ici, ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. Ouais, ça sert à rien, il y a même pas de porte. Bon ok, je fais un petit peu le tour hein, encore une fois, mais on découvre la zone. En plus de toute façon, il y a un point qui nous indique là où est la suite, hein. Ça c'est fait hein. Là, par contre, là-haut, je vais le chercher, parce que là-haut, clairement, là, on a quelque chose. C'est quoi ça? Ça sert à quoi, ça? Voilà, il y a encore des choses... Ah, je sais pas à quoi ça sert. On va l'apprendre plus tard, sans doute. Donc 3 sur 40, hein, donc on n'est pas rendu. Hein. Voilà, voilà, voilà. Et dès qu'on t'a mis, encore une fois, je sais pas trop à quoi ça sert, parce que j'ai l'impression que c'est plus les cadeaux, les parchemins qui nous aident que ça. Je le fais quand même, parce que c'est histoire de nettoyer la zone. Peut-être qu'en vidéo, j'irai un petit peu poursuivre le jeu. Parce que je sais qu'on peut doubler le temps hein, si on peut-être en fait ça. Le temps de jeu. Et comme le jeu est assez court, hein, je me permettrai... Là, ici, il n'y a rien. Alors par contre, là, on a quelque chose à voir là. C'est très joli à part ça. Encore une fois, je relis à chaque vidéo, mais... je suis impressionné. Ok. Le petit salaud. Voilà, faudrait que j'arrive à déverrouiller en fait cette zone là, je sais pas comment, mais faudrait que je la déverrouille. Bref, c'est pas grave, retournons cette fois à la suite, hein, simplement. Je pense que là on aura fait largement assez le tour. Et c'est parti. Ok. Ça c'est fait, sauvegarde, c'est parfait. Ah, il faut décontaminer encore. Je crois qu'ils sont fait encore plus chier à poser des plantes à la con, enfin des plantes contaminées. Plutôt que moi à les faire en fait. Allez, les faire, allez, les transformer. Voilà, ça c'est fait. Nickel, on avance. Mais c'est là où je suis embêté pour les développeurs, parce que quand je vois le nombre de décors en fait où je passe juste 10 secondes. Oh non! Voilà. Le pont suspendu est encore cassé! Le schtroumpf bricoleur va encore aller! C'est quoi la petite flamme qui est en haut là encore? C'est encore une nouveauté ça? Je dois continuer à le chercher! Il y a plein de choses dans ce jeu en fait! C'est pour ça que tous les développeurs sont pas trop, ont pas trop perdu de temps, parce qu'au final, vu le nombre de choses qu'il y a à faire en fait. Donc là je peux passer, on est d'accord, c'est pas la peine d'aller plus loin. Par là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non plus. Par là, il y a quelque chose. Ça sert absolument rien. What? Ça sert complètement rien. Je sais pas, voilà. J'ai pas compris. Là, s'il y a quelque chose à faire, j'ai pas compris. Donc, allons par là. Et, voilà, c'est bien indiqué. Allô, les amis?
je viens de schtroumpfer un gros baril. Ici le schtroumpf cuisinier. C'est formidable. Un gros baril, c'est-à-dire Un gros tonneau humain. Il y a un rouleau pâtissier et une cuillère dessinée dessus. C'est l'emblème du château Marmite, une grande école de cuisiniers. Eh bien, il vient sans doute de là-bas, c'est bizarre. On dirait que les humains ont cueilli de la salsa pareille. Tu penses qu'ils en schtroumpfent? Mais non, on sait tous qu'ils détestent ça. Bon, je te laisse, on schtroumpfera ce mystère plus tard. Je dois d'abord retrouver le schtroumpf bricoleur. Ok, intéressant, je savais pas que c'était le cas, je savais pas qu'il y avait une école de... Je pense que c'est juste pour le jeu qu'ils ont fait ça, hein. Ça ne dit rien. Si le schtroumpf est enfermé dans une maltrappe, il doit être dans un endroit schtroumpfement contaminé. Ok, ça sert à quoi d'aller là du coup? Vous voyez, il y a des fois en fait, je comprends pas. Il y a forcément quelque chose. Ah bah voilà. Voilà pourquoi. Ah, c'est pour ça. Tout simplement. Alors on doit aller où? Parce que là le point m'indique que c'est là. Ah, c'est là-bas, ok, d'accord. Il y a encore des malbêtes. Raté. Bon, ça, ils sont pas trop durs. Hein. Je vais quand même décontaminer les zones puisque je suis là, donc je vois qu'il y a des petits bonus, c'est pour ça que je me dis. Oui. Parce que ça m'évite de refaire 10 fois le niveau aussi, un passage, j'ai vu, hein, parce que c'est pas vous qui le faites une deuxième fois le niveau. C'est beaucoup moins intéressant, je vous avoue, de refaire le niveau, mais ça, je pense que vous le saviez déjà. Par contre, là, est-ce que je peux sauter là? Voilà. Ça, par contre, j'en ai peut-être raté en fait avant. Je me demandais comment les choper, peut-être que j'ai oublié qu'on pouvait faire ça. Bon sang, mais c'est bien, je trouve. Faudrait que je réfléchisse. C'est l'endroit le plus contaminé. Ça, c'est fait. Il n'y a rien derrière. C'est bon, c'est propre. On peut avancer. Alors là, c'est plus compliqué, à mon avis. Ouais, il suffit d'avancer. C'est pas vraiment en fait de challenge, parce qu'en fait, il suffit juste d'aller au à fond. Voilà. Et là, c'est quoi là? J'ai cru voir un gros dino. Ah, c'est des plantes, ça va. Enfin, c'est ça va. Des maltiges. J'ai pas intérêt à me retrouver dessous lorsqu'elle frappe le sol, n'est-ce pas? Tout est mal quelque chose dans ce jeu. Il y a mal fun, mal tige, mal bête. Ça va, et en plus c'est bien indiqué l'endroit où elle tape. Ça va, c'est pas trop dur. Ah, c'est vrai que s'ils mettent des ennemis entre deux, c'est peut-être compliqué. C'est pas non plus extrême, hein, j'ai envie de dire, comme niveau. Encore une fois, hein, c'est plus pour l'ambiance que pour le challenge, là, ce que je fais, c'est toujours un jour difficile depuis bien longtemps. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Schtroumpf bricoleur, tu m'entends? C'est moi, je voilà. Viens te sauver. Enfin. Schtroumpf à lunettes? Ah, oh, merci, c'est pas trop tôt. J'ai bien cru que j'allais schtroumpfer ici pour l'éternité. Dépêche-toi, j'en peux plus d'être là-dedans. En plus, il y a plein d'horribles malbêtes partout. Ne t'inquiète pas, grâce au vaporisage schtroumpf, elles auront bientôt disparu. Oui, mais il faut d'abord que tu soignes les cœurs contaminés de cette satanée maltrape. D'après le grand schtroumpf, ça va l'affaiblir. Et comme ça, elle finira par me libérer. Les malbêtes sont schtroumpfées un peu partout dans la zone. Je vais te guider. D'accord, j'arrive, schtroumpf bricoleur. Ouais, bah, tu vas me guider, ouais. Attention aux maltiges! Si elle t'écrase, tu finiras tout écrabouillé! Non, tu crois? Alors, c'est les maltiges. Les malbêtes. Les malfeuilles. Voilà, ça c'est fait déjà les malbêtes. Je sais pas, j'en ai tué combien là, mais. Une fabrique à malbêtes ou quoi? Ouais, c'est une fabrique en fait à l'infini. Comment farmer en fait les amandes, je sais pas quoi là. Comme ça, par contre, je sais pas, il faudrait que je m'en débarrasse quand même assez rapidement. Mais par contre, ouais, s'il se libère à chaque fois, ça va être un peu la merde. Ah, c'est vrai que ça repart pour l'infini. Ça, moi, c'est fait. Et c'est pas évident. Là, par contre, c'est pas évident. Tout ça, pour l'infini. Heureusement, j'ai les armes infinies, évidemment, mais bon.
Je viens de passer, c'est bon, nickel. On les laisse derrière, parce que ça, on a fini, ça sert à rien. Alors là, il me dit où sont les cœurs. Comme ça, tu pourras schtroumpfer le cœur à soigner. Il faut mettre carrément plus haut. Il faut mettre carrément plus haut. Bon, ceci dit, voilà, c'est bien plus qu'il y a des frames d'invincibilité. Alors, il est en train de m'indiquer en fait qu'effectivement ça peut repop à l'infini dans le buisson. Là, dans le buisson. Non, ben, c'est vrai qu'il m'emmerde sérieusement, hein, je vous le dis. Hein. Il m'emmerde sérieusement. Je suis le tour quand même pour décontaminer, mais bon, on va peut-être pas m'en trouver encore une fois, on va pas passer 10 plombs. 10 plombs, j'allais dire. Ou 10 ans. En plus, il y en a je sais pas combien des saloperies là. Ah, on va attendre d'avoir des recherches conséquentes, voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ou pas. Non, il reste encore là. Voilà, c'est ça. Ok, nickel. Bon, non, il en reste encore là. Mais sans déconner, il y en a combien? Ça repop en fait. Ou pas. Non, c'est bon, ça repop pas. C'est moi qui ai juste pas passé. Voilà. Ça, tu meurs. Ok, bon. Maintenant, il va falloir que j'aille en haut là. On va essayer de voir comment y aller, parce que là c'est pas gagné. Et je vois encore c'est contaminé. Ouais, c'est contaminé de partout en fait. J'ai pas fait gaffe, mais c'est contaminé de partout. Voilà, ça c'est fait. Déjà, on m'aidera plus gentiment. Oh là, attention, ces choses sont dangereuses. N'ai pas intérêt à trop m'en approcher, sinon ouais. Ça va piquer. Là, c'est clairement qu'il faut. Je sais pas si je vais réussir à partir de là, mais on va essayer. On va essayer quand même, on sait jamais. Mais j'y crois pas trop. Moi je suis là, je suis plus loin. J'arrive pas jamais. Je sais pas ce que ça fait ce truc là. D'accord, ok. Okay c'est vraiment. Là c'est beaucoup plus agressif quand même, hein, je peux pas dire, mais là il y a des ennemis. Hein. C'est pas très dur, parce qu'ils bougent pas, mais il y a des ennemis. Ça avance. J'avance, hein, j'imagine que c'est par là parce qu'en fait on voit plus la trace sur l'écran. Ah, si, elle est là-bas. C'est là-haut, c'est là-haut. Donc c'est bon, c'est bien parti. Allez, un petit peu plus de difficulté, faut attendre qu'elle tape pour sauter. Ouh, c'était dur. Ça, c'est fait. Le pont, je trompe à lunettes. Accroche-toi à tes lunettes et traverse-le. M'accrocher à mes lunettes, et ben non. Il y en a qui ont la foi quand même, hein. Pour soigner le cœur contaminé, c'est tout droit. Tu ne peux pas te schtroumpfer. Genre, celle-là, elle est pas belle, quoi. C'est moi qui saute dedans, c'est moi qui prends le dégât, quoi. Bon, je me pousse avant que ça me pète à la gueule. Heureusement qu'il y a de la vie partout, quand même. Voilà. C'est bon. Ça explose. Ça va, ça décontamine bien, en tout cas, c'est sûr. Et le cœur est là. Voilà, plus qu'un cœur contaminé à schtroumpfer. Tu vas y arriver, schtroumpf à lunettes. Oui, c'est vrai, donc je... Il est oui. Temps de descendre pour continuer la décontamination. Il reste encore un cœur contaminé. Je dois vite trouver un moyen voilà. De le soigner. Et là, c'est clairement là qu'il faut sauter. Ouais, yes. Bon, ça a marché. Youpi. Voilà, bon. Mais quoi, hein, c'est facile. Il y a rien qui vient me trouver sur la tronche, par contre. J'avais mal fini, ça c'est bon, c'est passé. Alors, le deuxième est là-bas. Barre avant qu'il me saute dessus. Ce buisson fait apparaître. Ah, ça réapparaît, on est d'accord, hein. Vous venez de voir que ça vient de réapparaître, là. Ça, c'est fait. Là-haut, comment je vais grimper, j'imagine, par là. Par contre, vous m'énervez, vous. Oh, tu m'as mis un coup, toi. Oh. Ah, putain,
Putain, ils ont mis un truc juste là. Ah, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Je vais passer par là. Normalement, ça devrait pas être trop dur, quand même. Faut pas déconner, hein. Bah là, déjà, faut avouer que c'est le niveau est un peu au-dessus, déjà, de ce qu'on a pu voir déjà précédemment dans les deux autres épisodes qu'on a fait avant. Voilà. Ça, c'est bien décontaminé. J'en profite pour ramasser un peu de vie. D'accord, qu'il n'y a rien d'autre. Parti. Voilà, ça c'est fait. On part là. Faut rien faire. Il me réindique toujours la même chose, hein, au cas où j'ai pas lu. Ces plantes sont dangereuses. Non, je crois. What, c'est tout? Comment ça? Comment ça, ça s'arrête là? Il y a un truc que j'ai pas compris là. Je dois aller là-bas. Je suis pas sur le bon chemin en fait depuis tout à l'heure ou comment ça se passe? Je suis pas sur le bon chemin en fait, c'est la blague. Là je pense que j'ai entamé autre chose. Parce que là clairement je suis pas du tout là où je devrais être. Ah je comprends pas. Là je comprends plus rien. Pourquoi elle s'arrête en plein milieu? J'ai jamais vu ça encore, elle s'arrête en plein milieu. Ah, j'ai une idée! On voit la planche. C'est ça, ok, ouf. Putain, j'ai une... j'ai vu que j'étais coincé dans les schtroumpfs. Faut déconner, quoi. Oula, j'avais pas vu celle-là. On va se mettre un peu sur le côté, normalement, j'arrive pas à me faire choper. C'est fait. J'en ai là. J'ai vu que j'en avais raté, là. Une seconde. Ouf, cette baffe. C'est pas grave, hein. En même temps j'ai 3 coeurs, donc on est tranquille. Là, sur la baffe, là c'était limite. Je passe tranquillement. Voilà, je vais même récupérer de la vie avec ça. Voilà, ça se fait. Nickel, voilà. Et toute la zone est décontaminée. Nickel. Parfait. Je vois, il y a la doute là. Je rappelle, hein, je débloque aussi un petit peu les zones contaminées, comme ça c'est pour avoir justement des upgrades pour vous montrer, sinon je vais rien faire non plus dans le système, donc je nettoie beaucoup. Et j'ai conscience que ça me prend deux fois plus de temps que de terminer en ligne droite le jeu. Et tu meurs, c'est bon. Toi aussi. Par contre, c'est vrai que notre réserve de vaporisage schtroumpf là, c'est ça, vaporage schtroumpf. Bon bref, je sais plus, enfin bref, notre arme. Ben, il y a pas longtemps. Hein. Bah oui, c'est pas top top. Ça y est, je te vois à nouveau. Je trompe tout droit. Le cœur contaminé est juste là. Ouais, et ben on va aller en hauteur parce qu'il y a des mines en bas là, visiblement. On va faire ça. Je pense que je peux passer par le bas quand même, hein. C'est juste que... Je vais par là. Vite. Ouf, ça c'était tendu. Ça. Voilà, on évite toutes les plantes explosives et dernier cœur. Voilà, bon, c'est bien décontaminé là du coup. Il va la chambre bricoleur, donc du coup peut-être qu'il va nous apprendre à comment upgrader notre arme désormais. Enfin, j'aimerais bien. Ah merci, Schtroumpf à lunettes. Tu as Schtroumpf fait un courage que je ne te connaissais pas. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Le grand Schtroumpf serait fier de moi, j'en suis sûr. Je devais te retrouver près du pont qui mène chez le Schtroumpf sauvage. Oui, avant que cette maltrape me capture. Comme tu as pu le voir, je n'ai pas pu réparer le pont. Il y avait trop de contamination. En plus, j'ai perdu la moitié de mes outils en chemin. Oui, j'ai vu. Mais j'ai quand même retrouvé ton marteau. Par contre, je dois traverser la rivière pour aller chez le Schtroumpf sauvage. Et je ne sais pas comment. Oui, je comprends. Deux petites secondes, laisse-moi réfléchir. Même sans tout mon attirail, je peux te bricoler quelque chose. Donne-moi mon marteau, je vais schtroumpfer quelques réglages. Tu es sûr de toi? Je ne suis pas très rassuré, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je schtroumpf. Il veut grader, j'imagine. Et voilà le travail. J'ai l'honneur de te présenter en avant-première... Ah non! ...le schtroumpf au planeur. Tu pourras planer dans les airs et schtroumpfer tous les défis qui se présentent. Il te suffira de propulser du soin dès que tu en auras besoin. Du soin? Je ne suis pas très rassuré par cette fonctionnalité. Allons, tu me connais. Mes inventions, je schtroumpfe toujours à merveille. Aucun souci.
Je ne dirais pas ça, n'est-ce pas? Mais je veux bien tester. Allez, à très vite. Je vais schtroumpfer nos amis pour qu'ils viennent te chercher. Du soin. C'est du soin. Allô les amis, ici le schtroumpf à lunettes. J'ai de bonnes nouvelles. Ah, des bonnes nouvelles. Tu es sûr? Tu t'es nettoyé, oui, c'est parfait. J'ai nettoyé toute la zone et j'ai délivré le schtroumpf bricoleur. Envoyez vite la cigogne pour le récupérer. Ça m'ennuie de te dire ça, schtroumpf à lunettes, mais bravo. Et ce n'est pas tout. Grâce au schtroumpf bricoleur, je peux maintenant planer. Je vais schtroumpfer tout le village, que ça plane pour toi. A plus. Alors, je disais comme ça, mais planer, c'est pas se propulser comme ça fait, hein. Bon, ça fait office de deuxième saut, donc je vais faire de double saut, je vais pas me plaindre. Hop là, youpi. C'est vrai que ça me fait des sauts beaucoup plus loin, du coup. Donc, du coup, je peux revenir en arrière pour débloquer des choses que je ne pouvais pas avant. Si vous vous souvenez des deux premiers épisodes, c'est un petit peu trop loin. Bah, désormais, ça va se faire super bien. Là, là par contre je vois qu'il y a des choses là-bas. Ah oui non, d'accord, c'est d'où on vient ça. Ok, ok, c'est d'où on vient. Faut que j'aille là-bas, ça va être super tendu là. Et je plane un peu plus près des étoiles. Ça passe, ça passe. Je sais que c'est tendu, mais en fait voilà. C'est vrai que c'est pété en fait ce truc là maintenant. Alors je vais par là parce que j'imagine que par là il y a des choses intéressantes. Plus qu'en bas. J'en sais rien en fait. Bah en même temps non, c'est là-bas qu'on doit aller en même temps. Avant, il va falloir combiner peut-être les coups, c'est-à-dire sauter sur le champignon pour sauter plus haut. Alors déjà, je vais faire ça ici. Là. Voilà. Et après, bah, on pourrait replaner. Donc, en fait, on pourrait. En fait, c'est totalement pété. En fait, j'imagine que le. Ça va être très compliqué à tester leur truc. Je vois là-bas, il y a une pièce que j'ai pas pris. Il faudrait que j'y aille, mais est-ce que je pourrais monter facilement après? C'est la question. Ça m'embête là, quand même. Ça m'embête grandement. Je vais essayer de revenir en arrière pour voir ce qu'on veut faire. Rapidement. Ça, c'est en théorie là. Là, j'imagine que là, je peux aller en face. Ah, c'est clair. Maintenant que je suis là, bah, je vais pouvoir faire quelque chose. Super. Merci, c'est super. Merci, c'est super intéressant. C'était génial. J'ai quand même descendre pour récupérer du coup le petit cadeau là qui était en bas. Là. Quand même, tant qu'on y est. Du coup, il y a rien à débloquer. Là, j'ai pas un petit cadeau justement à débloquer quelque part. Si là-haut, là, justement là-haut. Là où je pourrais le récupérer maintenant, j'imagine. Voilà, ça c'est fait. Alors visiblement, tu vois, j'ai dû le bloquer quand j'ai fait les champignons qui étaient là. J'ai pas vu en fait. Alors, on va aller par là pour voir. Et puis après, on va poursuivre évidemment l'aventure. Hein. Je n'oublie pas bien sûr, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire en fait. Alors, c'est pas comment? Alors, en même temps, c'est là que je dois aller. Alors, voilà, question à la con. Vous savez ce qu'on va faire? On va tester. On va faire ça. Ça. Ouais, c'est un peu trop limite. C'est un peu trop limite. Donc ça va, c'est quand même bien fait. Bon, non, il va falloir que je remonte par contre là, c'est moins évident. C'est moins évident parce que du coup j'ai fait le tour. Il y a un autre point là. Quoi, what? Ah, ça, à mon avis, c'est pour aller par-dessus. D'accord, ok. Donc ça, c'est la suite. C'est la suite. Ça va être après. Il faut d'abord que je grimpe là-haut. Bon, je sais pas du tout par où je vais là. C'est pas par là en fait, il faut que j'aille. Là je suis perdu, je suis désolé, je suis perdu un petit peu là. Parce que. Oui, je vois bien que c'est là qu'on doit aller, mais c'est pas. On doit pas aller d'abord là. Ah, je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Ok, j'ai dû passer à côté de quelque chose, j'ai pas compris. Je pensais que c'était derrière qu'il fallait aller, et en fait, visiblement, c'est pas derrière. Ouais, là c'est un propulseur, mais c'est pas suffisamment haut. Faut que je remonte en fait, faut que je remonte par là. Ouais. Déjà, je peux remonter par là, déjà, je vois. Alors, on va la refaire. Alors. Là, j'ai réussi à sauter par un endroit où je devais pas du tout aller. Clairement, je devais pas du tout aller par là. Donc, du coup, je sais pas si j'ai pas tout cassé. Voilà, typiquement, c'est là qu'on va se trouver coincé parce que. Vous voyez, j'ai fait quelque chose que je devais pas faire. Voilà, c'est fait. Bon, je vais pouvoir schtroumpfer en planant au-dessus du pont cassé. Comme quoi le jeu est un peu bugué sur ce coup-là. Ok, et bah du coup on va quand même aller par là. Parce que je sais pas où ça me mène, mais ah voilà, il y a quelque chose. Je vais le prendre. Voilà, du coup j'ai un peu bugué le jeu, vous avez vu, hein, c'était pas magique du tout, c'était pas glop. Là si je peux passer par là, c'est cool. Du coup je reste en hauteur parce que c'est là où je devais aller. Ah bah non, c'est pas là où je devais aller.
Ok, alors du coup je comprends plus rien parce que c'est là où je devais aller. Hein. Bon, faudrait que je remeure une deuxième fois alors. Pour apparaître sur le pont. Pour ramasser du coup les petites flammes là. Mais moi c'était là où je voulais aller en fait. Bon, du coup après j'ai bugué le jeu. En même temps je suis passé par là, je suis con. Non, j'ai fait ça. Voilà, on va aller dans la flotte. Par contre, faut que je fasse attention à ma vie parce que. Je sais pas si ça consomme. Je sais pas ce que ça donne ça. Là où ça ne sert à rien, à mon avis, c'est là où on devait venir. Bon, c'est pas grave, j'ai raté des choses, mais c'est pas grave. On s'en fout, on avance. Ah, ça m'intéresse plus. Plus déjà. Allez, j'ai fait un tiers de la zone déjà. Un tiers en parchemin. Voilà. Et là, il va me dire d'aller donc tout droit. D'aller par là. Bah écoutez, je vais essayer, j'en sais rien si ça a marché. Ah, ça redonne. Oh, j'adore planer. J'adore, d'accord, ok. J'adore. Quelle sensation, je trompe en... Ok, je nettoie avant la zone. Parce que forcément, sinon je ne peux pas... Et là, après, je pourrais me ressusciter encore pour retourner en haut. Il y a un truc que j'ai pas compris, donc c'est pas grave. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait plus rien, parce que sinon, forcément, je ne peux pas passer. Je vois en même temps qu'il y a des choses là-bas. Je vais aller là-bas. Voilà. Encore un petit bonus, ça c'est fait. C'est que maintenant qu'on peut planer, alors ah, disons ça va être. Ok, c'est pas là que je voulais aller. Mince, ça c'est fait. Et on réapparaît en haut. Alors il va quand même falloir que. Déjà, j'ai commencé par enlever ce qui est en bas là, sans doute. Ce que je peux enlever, je pense. Voilà. Alors, déjà, problème réglé, ça nous évitera justement la merde. Ensuite, je pense que là je pourrais avancer, mais j'aurais bien envie de nettoyer là-bas moi. Bon, c'est utile, on va le faire quand même. Là, c'est les super lumières ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Ça, c'est fait. Ça a rien débloqué. Ouais, juste décontaminé, ok. Ok. On va revenir en arrière. Voilà, pour aller en face, j'imagine que c'est impossible. Ah, si, par là, là, je peux aller. Voilà. Ne me dis pas que c'est un raccourci pour aller je sais pas où, que ça m'intéresse pas. Voilà, remonte un peu là. On mène pas là, hein, on mène pas juste là. Ah, c'est bon, ok. On mène plus loin, c'est cool. Non. Ok, je suis tombé à la flotte, merde. Je sais pas où ça nous menait, mais j'imagine que ça nous menait là-bas. Voilà, bon après. En même temps, je peux faire ça aussi. Hein. Bah, c'est ça le problème, c'est que le jeu il est un peu cassé maintenant, quoi. Non, je peux faire ça. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si c'est l'utilisation standard. Là, il y a une porte aussi, jamais elle est derrière. Là, il y a des choses derrière. Sauf qu'on peut rien faire, hein. On est d'accord, hein. On peut rien faire. Voilà, faudra refaire le jeu, voilà, pour débloquer ça, je pense. Enfin, pour débloquer ça, parce qu'on aura débloqué plus tard la possibilité de faire apparaître sur le chemin, là. Il y a pas ça, le truc orange avant, si. J'ai déjà un doute. Voilà, nickel. Ça, c'est fait. Ok, je suis pas censé aller en face, hein. Ça me sert à quoi, bordel? Ça me sert à quoi? Bon, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va faire le tour. Comment il faut faire le tour? Et par contre, je vois que j'ai plus qu'une vie, par contre, c'est beaucoup plus inquiétant, j'ai pas envie de mourir. Ah, par contre, y'a plus de cadeaux. Alors voilà, maintenant qu'on en cherche, y'a plus aucun cadeau. Si, y'en a là, c'est bon. Y'en a là. Y'en a là. Donc on va voir les cadeaux, les caisses là. Combien ça soigne? D'accord, un cœur et demi, la moitié de la vie. Merci. Ouais, c'est totalement pété. Voilà, et ça permet justement de redonner du vaporisage schtroumpf. Ça c'est fait. Maintenant il faut que j'aille tuer le schtroumpf le sauvage. Ce qu'on va faire plutôt ici, on va se garder suspense bien évidemment, parce qu'à mon avis ça pourrait être long. On va se laisser ici et on va se reprendre pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.